J'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau petit live sur les Sims 4 avec votre challenge que je peux dire maintenant préféré parce que oui, il me semble que là, votre challenge, là, vous le kiffez de ouf et ça me fait grave plaisir d'avoir une idée de ce concept du coup, hein, d'avoir innové avec les Sims 4. Voilà, je suis très contente. Désolée si j'ai un petit peu par rapport à mon annonce. Mais j'ai été voir avec ma fille de la famille, cette famille adorable a mis une photo de ma fille sur Facebook et ça je refuse de mettre ma fille sur les réseaux sociaux, donc voilà. Donc voilà, j'étais en mode tu peux retirer la photo s'il te plaît. Attendez, parce que j'essaie de mettre ma mèche dans le bon sens, voilà, ma mèche dans ce sens là. C'est mieux comme ça. Et je vais aller sur le Discord. Hop là, voilà. C'est mes petits modérateurs adorés. Il faut bouger le plan de la maison. Oui, je sais. Désolée, je fais plein de choses en même temps. Le plan de la maison, il est où? Es-tu? Hop. Ah, merde. Merdouille. Voilà. Ça va mieux comme ça. Quoi, la musique? Donc, coucou Valushkaya, y'a qui est là, qui est-ce qui regarde ce live aujourd'hui? donc, c'est où? Ah, voilà, c'est là que je peux voir les viewers. Donc, y'a mon petit Killname, y'a Sissi Mifa, y'a Elisa, y'a Enilopa, y'a Lore Yumi, y'a Lucky Day Officiel, y'a Manzel Titou, Marie Firefan, Nicolas, Noah, Noctalia, Noctalia. Patty Life, Queen Misora, Reinhild, Slaeva, Valushkaya et le reste ce sont les bots. Donc voilà. Coucou Perle, salut Nani. Ah mince, et si tu baisses la qualité Nani. Tu regardes en dessous, t'as un petit par là en fait, t'as un petit écrou et tu peux baisser la qualité du live si tu veux. Ça fonctionne généralement bien donc voilà. Ça, au moins tu pourras regarder, peut-être en moins bonne qualité, mais voilà, au moins tu seras en direct, Nani. Voilà, je me dis, hein, c'est une idée que je donne pour ceux qui me viennent sur Twitch et qui ont peur parce qu'ils se disent « Ah, je décède de choses. » Oui, c'est pour ça les amis, je suis désolée. Coucou Elena, vous allez avoir le bruit de mon ventilo et le bruit de mon airco derrière moi et de ma machine lessivée parce qu'il faut que je fasse des machines. Et puis qui fait mourant de chaud dans mon appart. Enfin là maintenant ça va encore, l'appartement n'a pas encore eu trop le temps... dans ma gazine à chaleur pour le moment, donc ça, mais je pense que demain ça va être autre chose. Donc voilà. Yay, merci pour le follow, bienvenue à Mylène, merci pour ton follow Mylène, bienvenue à toi. Donc voilà, pour ceux qui arrivent, voilà, mettez-vous bien. Oh, j'ai pas rempli ma noix de coco d'eau. Indara d'amour. Mon amour, tu sais me remplir ma noix de coco d'eau. Que je sois dans le thème, s'il te plaît. Quel homme. Donc aussi, donc Hotel Challenge, pour ceux qui ne savent pas, qui prennent la série, on va dire, ceux qui regardent la rediff et même ceux qui débarquent, ceux qui prennent la série en cours de route,
Il fait comme en Belgique, tout à l'heure il faisait 40 degrés. Au soleil, oui. J'étais tout à l'heure sur un thermomètre dehors, dans un magasin, j'étais en mode 40 degrés. J'étais, d'accord. Voilà, donc il fait très chaud. Il fait très chaud. Dans l'appart, tout à l'heure, il faisait 32 ici. À la Clairco, je pense qu'on est descendu un peu plus bas, donc... voilà. Je remercie les incendiaires qui se sont les ventilateurs, j'avoue. Merci beaucoup, mon chéri. Merci beaucoup, mon amour. Donc voilà. Là, maintenant, là, on est en mode cocotier. En plus, elle est bien fraîche. Coucou Marie Firefan. Oui, il fait très très chaud. T'es en vacances en Belgique? T'es où en Belgique? Dis-moi, enfin, si tu veux bien. Pas obligé de dire. Coucou Eliona. Donc, coucou Alexia. Ah, en tout cas, j'étais pressée de vous retrouver sur ce challenge. Je suis contente. Là-bas, je voulais le faire ce week-end, mais ça s'est pas mis du tout, donc voilà. Irine V, oh, vous êtes tout plein, ça fait trop plaisir. Trop beau, hein, bah, je l'ai acheté à Maison du Monde, voilà, pour ceux qui veulent savoir, pour 4 euros à Maison du Monde, plus ou moins. Enfin, 3,99€. Bon, voilà, vous avez compris quoi. Vous avez compris. Donc. Ah, Coxy. Oh oui, t'as la mer en fait, si je me trompe pas. Aujourd'hui, deux pubs. Aujourd'hui, juste deux pubs pour moi. Bah écoute, Lily, c'est déjà très bien, merci beaucoup et bonjour à toi. J'ai pas fait la première rediff. Bah écoute, c'est pas grave, Alexia, je vais résumer. Donc, pour ceux qui débarquent, ceux qui ne savent pas, donc le Hotel Challenge est un challenge que j'ai créé. Je balance dans le chat le. Yeah! Oh! Le. Mince! C'est la faute de frappe, s'il te plaît, je dis. Voilà, ça vous aurez les règles. Et d'ailleurs, bah, je les ai mises à jour depuis le dernier live. Hein. J'ai corrigé toutes les petites fautes qu'il y avait. J'ai éclairci certaines choses qui n'étaient pas éclaircies. Donc voilà, pour que ça soit vraiment plus clair pour tout le monde. Donc voilà. Et merci beaucoup à Utsari pour son 25e mois d'abonnement. 25 mois consécutifs. T'es ouf. T'es juste complètement ouf. Merci beaucoup, ma belle. Ça me fait super plaisir. C'est super gentil. Donc, nous avions commencé le live passé par notre hôtel, donc on avait commencé un tout petit peu, on avait pris un intérieur de 40/50 et on avait des traits qui étaient pas tip top, hein, vous savez, hein, de toute façon il faut commencer avec le trait dégoûtant et le trait Gremlins, donc voilà, c'est que... Et donc nous devons, voilà, oui, aussi on avait participé à la loterie, donc je ne sais pas si elle avait gagné ou pas. Donc voilà, je remonte un petit peu les pièces, donc ma challengers, c'est une petite Diane ici qui est une version un petit peu autre de moi-même, hein. C'est une de mes personnalités, on va dire ça comme ça. Et donc Diane devait s'occuper, donc on est mercredi jusque vendredi, de Alexandra ici, donc qui est une de mes clientes, une cliente que un de vous avait fait. Donc voilà, on va être sympa, ouais non, on s'en fout la cliente en fait, elle joue le truc si elle veut, moi je m'occupe pas, donc je regarde juste ses besoins, la cliente doit faire pipi, la cliente doit manger et tout. On va être sympa, on va ouvrir le frigo, pas plus de choix, ouvrir. Et on va placer la petite salade du jardin ici. On va laisser ça là, on va nettoyer ça là. Et un truc que je vais acheter directement, je pense. On va pas se prendre la tête, en fait, non, on va même faire ça directement. Il y a ma copine, Luciol Game, en fait, qui stream aussi, qui a commencé également le challenge. Il y a déjà deux personnes en tant que streamer qui ont commencé le challenge. Il y a Crimounette et il y a Luciol Game qui ont commencé à streamer sur mon challenge. Donc, ça me fait grave plaisir. Donc voilà. Donc on a ici une chambre qui est considérée, je pense, comme complète parce qu'il y a la petite commode, il y a les deux lits, il y a les tables de nuit avec les petites lampes qui vont avec, le petit bureau, la chaise. Et ici, donc, nous avons la salle de bain qui est considérée également comme complète avec les petites serviettes, le PQ, tout ce qu'il faut, le miroir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, nous avons une chambre complète, qui est nickel. Mais les chambres ne restent pas comme ça. J'ai bien sûr une idée bien précise de mon hôtel. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des petits plans moi aussi, parce que Krim avait commencé à faire des plans moi aussi. Donc, voilà. Ici. Oui, donc ce truc là que je cherche, donc c'est un CC que ma copine de la chaîne Mutual Game m'avait montré, donc c'est ceci, c'est une desserte, je vais vous la montrer, qui est foutrement pratique parce qu'en fait elle fait réfrigération, enfin elle refroidit les plats en même temps, donc là il reste deux trucs et donc du coup hop je la mets là dedans et voilà.
de what? Enfin bon, voilà. Donc je la mets là-dedans, et donc du coup, bah, ça garde mon... ma salle du jardin au frais. Voilà, et donc le Sims pourra en même temps se servir à son aise de sa petite salade du jardin. Voilà, voilà. Et donc, c'est parti. Ops, voilà. Coucou Ney, il se dit, ça va très très bien. Coucou le Rabelair. Est-ce que t'as pris la bonne version? Parce que tu vois, moi, quand je vois ici, tu vois, dans 2 jours, tu vois. Encore mieux, tu m'as fait découvrir Crime. J'ai hâte de voir si tu t'endors ou galères. Non, dors pas. Faut pas qu'elle dorme. Parce que ce qui se passe, c'est que si elle dort, les Grimmies vont foutre la merde. Donc, je vais pas la faire dormir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Ah bah voilà, elle va manger, notre client va manger un petit bout. Voilà, donc il en reste un, elle va manger un petit bout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on peut te faire faire? Va un petit peu te détendre, va un petit peu jouer à Blick Block là, ici là, ça sera très bien. Donc voilà, cette achat était vraiment bien. Maintenant c'est qu'on pourra stocker de la bouffe dans notre frigo de base aussi, donc voilà. J'ai essayé les deux et ça restait 8 heures quelque chose. À la cloche, même en enlevant les modes. Oh, bah à mon avis, ce que c'est que peut-être t'as des modes qui... Ouais, non, je sais pas, du coup, je sais pas te dire, Sliva. Je sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Voir aussi si tu l'as effectivement mis à jour depuis la sortie depuis la mise à jour, en tout cas. Voir s'il est à jour. Voilà, notre petite cliente a mangé sa petite salade. Je débarrasse en vitesse. Voilà, elle va jouer jusque minuit passé parce que donc, petite astuce que Luciole m'a donnée. Au niveau des gremlins, les gremlins en fait agissent à minuit, et si les sims sont toujours réveillés, ils ne vont pas casser les articles, enfin casser les différentes choses de la maison. Donc après minuit, nous irons nous coucher, la cliente je suppose qu'elle fera de même, hein, qu'elle ira se détendre, ben voilà. Normalement c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans notre zone ici, je pense qu'on va peut-être voir quand on aura des sous pour se prendre une piscine. Et la piscine, je veux directement la mettre au bon endroit. Je veux directement la mettre ici en fait. Il y a une piscine de 10 sur 5 juste ici. Comme ça, nos clients pourront se détendre dans la piscine directement. Et maintenant, il me faudra encore quand même la pièce bureau parce que ça, on l'a pas. Il me faudra la pièce salon parce que ça, on ne l'a pas. Et donc, oui, pour pouvoir avoir commencé à des étoiles, il faut avoir un hôtel valable. Donc voilà, il manque encore des choses. Coucou Alec! Coucou Pepperoni Love, coucou Fanny, vous allez bien? Oui, aussi, avant que j'oublie, je vais regarder si vous m'avez laissé des petits messages sur YouTube. Maintenant, je suis à Qtip, pour moi, ils ne proposaient pas trop de pubs. Donc voilà, on ne sait jamais, je vais quand même aller voir. Maintenant, j'ai vu que le compteur de pubs avait avancé, en tout cas, donc bah, merci beaucoup aux personnes qui ont regardé les pubs, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est vraiment super sympa, parce que c'est grâce à vous qu'on avance aussi vite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a plein de messages. Donc, malheureusement, ce qui est un peu mal, c'est que vous signez... Il y en a quand même quelqu'un qui signe leur message. Donc, on a un message qui dit « Continue comme ça, j'adore tes vidéos. » Bah, je te remercie, c'est super gentil. Et bah, je dis « J'adore absolument toutes tes vidéos, je t'adore. Tu es vraiment la meilleure youtubeuse et j'espère que toutes les pubs t'aideront à améliorer rapidement ton PC et à avoir ta Switch. Gros bisous, Elisa. » Merci beaucoup, Elisa, pour ton petit message, ça me fait super plaisir. Bah, écoutez... On avance en tout cas tout vers l'objectif, donc voilà. Et j'ai regardé 5 pubs en écoutant la redite de ton live Hotel Challenge, ça me plaît beaucoup. Plus un foyer de clients pour ton hôtel, Eve. Merci beaucoup, Eve, c'est super gentil. Coucou, j'ai regardé la redite de ton nouveau challenge que je surkiffe. J'ai hâte de créer des clients pour le challenge. Merci beaucoup à toi, adorable personne qui n'a pas signé, mais en tout cas merci beaucoup à toi, j'espère que tu te reconnaîtras. Coucou, je suis depuis Animal Crossing sur DS et j'adore toujours autant. Petit cœur, Alexia. Merci beaucoup, Alexia, c'est super sympa. Et dernier message, ma petite contribution pour la suite. J'aime beaucoup ce que tu fais, continue comme ça. Et bisous, merci beaucoup. C'est super gentil. Merci beaucoup à tous les gens qui ont mis des pubs et qui ont laissé un petit mot. C'est super gentil. Merci beaucoup. Millions de bisous sur vos faces. Voilà. Coucou Yukiko, salut Ouch, coucou Laura. Je ne sais pas qui a créé la cliente, mais elle est sublime. Bah écoute, je ne sais plus non plus, je suis désolée. Coucou Fondance et bienvenue à Candy. Merci pour ton follow, Candy. Mademoiselle Eva, j'ai changé mon nom. À ton aise, y a pas de problème. Bienvenue en tout cas à toi, Candy. Pose-toi, prends un petit rafraîchissement, un petit grignotage, ça donne envie, hein.
Et pose-toi, mets-toi bien. Oh là là. Je peux jamais regarder plus d'une... Ouais, je sais pas ce qui se passe pour le moment. Il y a 62 personnes. Sérieux. Moi, j'ai 57 qui me dit truc. C'est ça que j'avais laissé un petit mot ce matin. Coucou Iman. Ah, vous êtes tout plein, ça fait trop plaisir. Mais n'hésitez pas à partager parce que à un moment, en fait, je vous explique, si on est de 75, tout le temps en live, enfin, souvent, on va dire ça comme ça, mais on va pouvoir faire peut-être augmenter la moyenne de... Bah, parce qu'en fait, en gros, pour passer partenaire Twitch, en fait, il faut qu'il y ait 75 personnes souvent dans les lives, en fait. Et ce cas, c'est qu'on n'est jamais 75. Donc n'hésitez pas à partager le live, même ceux qui la rediffusent, à parler de la chaîne, le bouche-oreille, ça fonctionne super bien. Si vous connaissez un pote ou une copine ou quelqu'un qui adore les Sims, ou même un jeu auquel je joue, qui pourrait apprécier mon contenu, n'hésitez pas à en parler, ça me ferait super plaisir et ça pourrait vraiment m'aider. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci beaucoup Alexia pour tes 4 pubs, c'est super gentil. Mais Marie Firefan, tu vas sur le lien que Vampire Lily a mis en fait sur utip.io/odidreams et tu cliques sur regarder une pub et tu la regardes jusqu'au bout. Non, tu peux couper le son, voilà, tu la laisses aller jusqu'au bout. Et donc ça comptera et donc comme ça tu me feras 4 ou bien 5 cents en cadeau, voilà, c'est un mini don en fait comme ça. La mienne dans la salle de bain du client. Ah oui, il n'y a pas de lumière, tiens, c'est vrai, t'as raison. On va vite lui en mettre une parce que la pauvre, elle est un petit peu... pas trop dans le truc. Et donc, ce cas, c'est qu'en devenant partenaire Twitch, en fait, le truc qui est cool, c'est que je pourrais rajouter des emotes en plus pour nos chers et petits subs, voilà. Donc, ça peut vraiment être cool. Je vais prendre une douche, toi, ton aise qu'il n'aime, dit à ton aise. J'ai une petite idée pour la suite du challenge, pourquoi pas faire une salle à manger ensemble de buffet ou les clients. C'est prévu Alex, c'est prévu. En fait je vous explique que j'ai fait un plan, je sais plus où je l'ai mis par contre. Ah non, il est dans mon autre bujo. Parce que j'ai un bujo pour YouTube, je sais pas si je peux vous montrer. Non, j'ai pas fini le plan. Hein. Je vais pouvoir vous montrer. Comment ça t'as chaud, mais il fait froid qu'il met, on est d'accord. On est d'accord, hein, il fait froid ici. Hein. Donc hop, ça c'est le début du plan mais il est pas du tout fini. Donc en fait, là ici c'est l'entrée, avec un accès, en fait il sera en forme de U, ça sera un grand U, et donc là ici ça serait la salle à manger, et là la cuisine, alors en gros. Et là la petite pièce qui est ici, donc là c'est la salle où il y a le petit ordinateur pour faire l'accueil, et là donc c'est un petit couloir en fait, avec une petite zone en fait privée, pour aller dans la cuisine, et aller dans la pièce, mini pièce où il y a le truc. Et là d'ailleurs en fait là il y aurait la piscine en tout grand avec toute une grande terrasse et tout, donc voilà, ça vous savez tout, vous êtes au courant de tout. Voilà, donc on a mis un petit peu de choses ici. Et donc au niveau de l'architecture d'hôtel, ça sera quelque chose de très moderne je pense. Voilà. Donc il est minuit passé, notre Sim va faire son petit dodo. Et après, jusque vendredi, donc on va garder cette demoiselle. Je ne sais plus le nom de la personne qui a Camille, mais je pense que je lui laisserai un petit mot après pour être sûr de retrouver. Pour ceux qui ont partagé des... Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup Fanny pour ton sub, c'est super sympa, bienvenue à toi. Mais du coup Fanny, écoute, si tu as Discord, n'hésite pas à aller ton compte Discord à Twitch pour bénéficier des petits bonus de subs. Par exemple, les subs ont déjà pu voir les liens vers les deux vidéos de la chaîne Jody IRL. Voilà, ils ont déjà accès maintenant à la vidéo de samedi et à la vidéo de demain. Voilà, c'est des petits bonus que je mets. Tu auras également accès aux rediffusions de live en fait directement ici. Donc voilà, c'est, ça c'est cool. Et t'as les super emotes. D'ailleurs, j'ai pas fini, il faut pas que je mette encore deux emotes. Donc. Mais t'auras déjà t'as accès aux trois emotes en fait, voilà, comme Utsari a mis la petite émote jeudi magique, voilà, merci beaucoup Harry pour d'avoir fait la démonstration de cela. Ah, mais ça on s'en fout ça, est-ce que, t'as très bien qu'elle ait gagné en fait. Oh la fin. Prendre des restes, voilà, oh là là, ah mince, j'espère qu'elle va. Il faut peut-être quand même mettre une table ou quoi, mettre un truc, une douche quoi. Ah là on a nos trucs qui ont grandi, la cliente est partie se promener, elle est où la cliente? Elle dort dans son lit, d'accord, super, dès que la cliente aura fait, dès que... Ah mais nous de toute façon on peut pas, enfin, moi j'avoue que je ne fais pas pipi dans les trucs de la cliente, moi j'ai fait exprès de mettre ici parce que comme ça j'ai accès aux toilettes et j'ai accès à la super cascade pour reprendre ma douche. Prendre une douche et... Non, prendre une douche, juste prendre une douche, c'est très bien. Allez, voilà. On a besoin de faire pipi la pauvre.
Oh, la roche mes légumes. Merci beaucoup, comment tu t'appelles? J'ai plus ton nom. Alexandra. Merci beaucoup, Alexandra. C'est très gentil. Nous allons... même pas les prendre sa douche maintenant. On va juste s'occuper des fruits, des légumes et tout ça. Je pense que je vais essayer de faire au moins 7 chambres, en fait, Alana. Parce que comme ça, si j'ai 7 clients de familles différentes, ils pourront utiliser les chambres sans être mélangés, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'aimerais 7 chambres et au moins 2 chambres avec au moins un lit double et 2 lits en plus, voilà, pour les enfants et tout ça, enfin vous avez compris quoi. Contrairement à notre petite crib, moi je vais accueillir les bambins, je pense. Au moins les enfants. Les bambins, je pense, mais au moins les enfants. Non, ce n'est pas une critique envers Krim. La pauvre, elle sort d'un challenge, il y avait la blinde de bébé, je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de la faire. Hein. Et voilà, ça c'est fait. Donc avec 500. Donc je vais gagner un peu pour la pièce de bureau. Elle est arrivée, c'est Gavin. Ah, salopeur. Donc, je vais gagner un peu pour créer la pièce bureau. Non, on va faire le petit salon. On va faire un petit salon ici. On va essayer de faire un petit salon ici avec des petits canapés pas chers. Essayer de se faire un truc bien. Hop, on va le mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Électronique. Comme télé. On a la toute petite télé à 500. J'ai une idée de ce qu'on va faire. J'ai une idée de ce qu'on va faire. On va pas prendre la télé. On va prendre plutôt... J'ai un mode qui va me coûter beaucoup moins cher. J'ai le mode IKEA. Ce mode en fait remplace la table de l'atelier d'ébéniste en fait, simplement. Voilà, c'est moins cher, bien sûr. Donc c'est du modé. Voilà, j'ai des gens qui vont dire tu triches. Non, chacun libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Moi, j'avoue maintenant que challenge modé est plus facile, on est d'accord. Donc, fabriquer un meuble, tabouret de bar, miroir, pot de fleurs. Ah, bon, on va faire un miroir, tiens. Pour mettre dans la chambre de la cliente en plus, comme ça, un petit miroir pour se regarder. Coucou Zoé, coucou Smims80, bienvenue à vous. Yay, merci pour le follow, bienvenue à toi. C'est quoi ton hashtag? Je sais plus le nom du hashtag, Alexia. Le pire, c'est que Kinem, je suis sûre qu'il le sait. Coucou Framboise, j'ai rejoint ton Discord cette semaine et je voulais te dire à quel point je trouve cette communauté super chouette. Ça fait longtemps que j'ai acheté des gens avec qui discuter des Sims. Bah écoute Framboise, t'es au bon endroit parce que ce qu'il y a, c'est qu'en plus. Moi j'ai pas du tout une communauté cancer en fait, ils sont, enfin, vous êtes géniaux, et je dis pas ça pour vous frotter la manche, non. Coucou Sindouille. Non, c'est pas ça Harry, c'est je crois que c'est hôtel client, hashtag, oh, je sais plus. Je sais que je l'ai dit, c'est ça le pire. Je regarderai en fait avec les propositions de hashtag, je vous dirai ça après. Alors, vous pouvez toujours préparer votre Sims et... Non, je pense pas que ça soit ça, Eva, j'ai un doute. Mais qui là, il est parti prendre sa douche, là, Alexia, du coup. Je crois que c'est peut-être ce que m'a mis SM Smims. Je pense que c'est ça. Ah bah voilà, merci beaucoup, Eva. Je vais carrément me le mettre sur ma page, je vais le lire parce que j'ai complètement oublié de l'écrire alors que j'aurais dû mille fois l'écrire. Bon, comme ça nous aussi on pourra revendre nos trucs, on pourra aussi grimper en trucs à aller dans l'inventaire du foyer. Nous allons mettre ça dans la chambre de notre cliente, comme ça elle pourra... Mince. Et si je le mets là? Il est immense ce miroir, dites. Oh, il est grand. Bon, on va le mettre ici, c'est pas grave, comme décoration. Voilà. Fabriquer un meuble. Fabriquer une sculpture. Bloc de couteau. Hop, on va faire ça. Ça nous fait grimper notre truc. On fera des petites décos. Il faut attendre qu'il charge. Mais je crois que c'est un truc comme ça, genre client, hôtel... Je crois que c'est ça, Elisa. Client, hôtel Dreams. Je pense que c'est ça. On va vous confirmer d'ici 2 minutes. On va vous confirmer. La fille qui sait plus son hashtag, quoi. Non mais allô, quoi.
Candy qui me suit, ok merci Candy. Oui bah oui, parce que de toute façon le truc c'est Jordi Dreams pour ce qu'il y a. Oui du travail à ton TSD, pas à ton SD. Bonjour, oui je travaille. Je travaille, enfin, bonjour, vous avez bien dormi. L'air marin vous fait du bien. Qu'est-ce que... Oh elle a une cicatrice mademoiselle. Voilà, allez vas-y. Fais ton truc. Ah super Edith. On va mettre ça pour décorer dans le truc ici. Voilà, comme ça. Et est-ce que maintenant faire une sculpture... Oh, je sais pas, je vais faire une sculpture de lapin. Voilà, de lapin. Lapin. Tu crains, je dis, mais j'ai pas d'entille. J'ai assez massif ce matin, c'est pour ça que je sais que c'était celui... Ah, d'accord. Ok. Oui, elle s'est faite attaquer par un aigle, j'ai pas pu le mettre dans la bio. Ah, ah c'était toi qui l'avais fait, Eva. Ok, oh... La pauvre. Bah que tout de même, c'est vraiment super. Oh le petit pignon. Le petit pignon. On va le décorer, on va le mettre dans la chambre du clan pour décorer. Regardez-moi ça. N'est-ce pas de magnifique goût? Je suis le pignon sacré. Je suis le super pignon sacré. Une sculpture. Ah, du coup, oh mais non. Bon, je vais faire un pinou pour mettre dans ma chambre, dans ma tour le truc. Ok, je vais le noter, comme ça je n'oublierai plus. Donc ceux qui regardent cette rediff sur YouTube et qui désirent faire coucou Mélie, qui désirent me faire un client, vous utilisez le hashtag client Hotel Dreams, comme ça, comme affiché dans le chat. Et sans cesser, bien sûr, parce que sinon, bah voilà, vos clients n'auront pas la même tête que ce que vous aurez fait. Chat de club, écoute, à ton aise, dis, fais-toi plaisir. Ah, niveau 4 en bricolage, on va voir si on peut faire des meubles en plus. Majuscule ou pas majuscule, c'est kiff-kiff, Eva. C'est kiff-kiff. Voilà. Faire un meuble, qu'est-ce qu'on... Étagère murale. Oh, on va faire des étagères, dites. Guéridon. Oh, ça c'est bien ça, on va faire un petit guéridon. Coucou Pixel, ça va? Je voulais te partager une famille pour le challenge, mais j'ai un CC de peau par défaut, ça ne change pas trop. Mais écoute, tu peux toujours essayer. Tu peux toujours essayer. Maintenant, précise bien dans la description que c'est toi que tu m'avais demandé en live, comme ça je saurais que c'est toi. Ah bah voilà, oui, bah écoute, voilà Eva, comme ça, faire comme Eva, c'est parfait du coup. Moi, je n'aime pas trop les trucs par défaut parce que je trouve que ça. Enfin. J'aime bien d'avoir le choix en fait, c'est ça le problème. Enfin c'est pas le problème, mais bon, j'aime bien d'avoir le choix. Qu'est-ce qu'elle a? Bonnes ondes. L'autre qui ramasse des coquillages, bah écoutez, on s'occupe comme on peut. Hein. On va revendre tout ça, hein, parce que là c'est pas possible. Ah, est-ce qu'on a réussi notre guéridon? Je pense qu'on a réussi notre guéridon. Oh oui, dites. On a fait un très beau guéridon, regardez-moi ça. Regardez comme il est beau. Oh. On va faire tous nos meubles nous-mêmes, en fait, limite, pour le challenge, ça pourrait être cool. Donc, fabriquer un meuble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, non, on n'a plus un rond, en fait. Bon, on va éviter, du coup, hein. On va éviter. Vas-y. Cherche tes coquillages, vas-y, hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une mouette qui l'a chié dessus. Ben je suis désolée, les demoiselles. Par contre, il n'y a plus du tout de plat dans le truc, donc j'ouvre le frigo. Plus de choix, ouvrir. Donc comme ça, hop, on met ça accessible. Pop, qu'est-ce qu'elle a à la fin? T'as combien de niveaux en cuisine? Niveau 2. On va essayer de lui faire un plat un peu plus compliqué. En plus, ça va être le souper bientôt. On va lui faire des raviolis chinois légumes, comme ça, ça fera plus sympathique pour notre cliente. On va changer un petit peu le plat, le repas. Vous êtes 67 personnes, c'est ouf. Oh, ça me fait... Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y, reprends tes raviolis. Ah, ça ne marche pas. Mais dis, tu me pètes un petit peu les... hein, on est d'accord. On va mettre ça ici. Voilà, attendons là, ça ira très bien. Hop, reprends tes raviolis, voilà.
Vas-y. Donc moi, je trouve que c'est une idée, en fait, de prendre le truc d'ébéniste. Coucou les ciels, tu vas bien? Bah écoute, pour les CC, hop. Voilà. T'auras tout mon Pinterest avec tous mes CC. Donc, coucou les ciels, comment tu vas? Ça va bien? J'ai pas de... Le Tumblr, mais j'ai pas de Tumblr, en fait, Eva. J'ai fait toutes les pubs. Bah écoute, merci beaucoup, Nano, c'est super sympa, dit. Donc... On fait des rêves à l'échelle pour notre... T'as vu, regarde Luciole, j'ai mis ta cloche que tu, m'as... que tu avais donnée. Pas de soucis, Emma. Tu sais qu'il y en a qui font sur Tumblr, il y en a qui font sur Pinterest. Moi, je préfère Pinterest. Oh, il fait trop chaud. Coucou Black Moonlight. On est 70 personnes sur le live, c'est ouf. Yeah. Mon Dieu. Merci beaucoup, Mélie, c'est trop gentil. Ah bah, d'accord. Hop, voilà, les raviolis ici. Merci beaucoup. Oh, c'est super sympa, Dimili. Merci beaucoup. Ceux qui peuvent, mettez des petites moules dans le chat. Ceux qui peuvent, mettez des petites moules. Bon. Et papote un peu. On va les faire discuter. Oh, c'est pas un thème de manger avec les clients. Hein. Ils peuvent très bien être potes un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle aussi, elle s'est... Ah non, la mouette l'a piqué un truc. Un petit peu discuter avec la cliente. Hein. Essaye de se calmer. Oui, ça fait un peu table d'hôte pour le moment, j'avoue. J'avoue. À ce point-là, Pixel. Ah non, tu peux faire le Magic Stick. Eh ben écoute, si tu veux mettre du Magic Stick, tu mets du Magic Stick à Terry. À ton aise, allez. En plus, ça gagne en charisme. Voilà, en plus ça nourrit bien, je crois. Voilà. Et donc, on va faire tout ce qu'il faut. Maintenant, on va refaire un pissu. Un pissu. Un pissu. Pissu. Et la douche. Prendre une douche, voilà. Faire tout ce qu'il faut, comme ça la cliente a son, a sa zone à elle, son endroit. Et donc, je pense que ce qu'on va faire, quand on pourra acheter la télé, on prendra la télé, on la mettra là. Ça sera notre salon, notre coin détente. Et après, bon, on prendra le bureau. Voilà. Il faudra aussi ma salle de bain pour ma sim. Voilà. Valentin. Non, non, écoute, Valentin, je ne désire pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout sale. C'est quoi ces gens qui sont tout crades comme ça, là, qui jettent des choses sur la plage? Tu t'es cru où, toi? Ils se sont plus où ces gens? Voilà. Hop. On prévu dans le... 7. Je vais essayer de moins faire 7 chambres. Au moins 7 chambres. 8. Enfin 9 en comptant celle de ma sim. Et celle d'un éventuel enfant. Voilà. D'ailleurs, j'ai utilisé mon prime pour une personne, mais je tenais à te rester encore sub, ok. Merci beaucoup, Mélie, c'est super adorable en tout cas. Mais l'enfant ira en cours. Oui, enfin, il ira en cours, mais il faut quand même qu'il dorme quelque part la nuit, je vais pas le mettre dehors. Oui, l'enfant, il ira à l'école, hein. Vacances nulles. Oui, pas mal de boulot, oui, complètement. Qu'est-ce qu'elle a? Mais je vais te faire chier toi quand tu prends ta douche, elle va prendre ma douche. Va jouer ailleurs. Je m'en fous de ta tête. Hop, on va faire comme... on va jouer ici. Hein. Hop, j'ai un big block. Je m'en fous. Allez, zoom. J'ai autre chose à foutre que d'écouter tes malheurs là. J'ai un hôtel à gérer. Sauf si tu es cliente, là, je t'écouterai volontiers. Hein. Mais là, je suis occupée. Et voilà. Hop. Jusque. Oui. Donc en plus, ce cas, c'est que le plat est déjà prêt pour demain. Non, enfin, peut-être que j'achète une deuxième cloche pour faire genre petit déj, parce que j'aimerais faire un peu un petit déj en fait.
Ok, d'accord, des bisous, mais en tout cas, merci, c'est très gentil d'être passé. Moi, j'avoue qu'il fait chaud de ouf, hein, d'accord, il fait chaud de ouf. Voilà. Ah, notre cliente est réveillée. Ok, elle fait son petit popo. On va la laisser faire ses petites choses. Hein. On va la regarder. Ah. Ah, bonjour, Alexandra. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Alexandra? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle va faire? Jouer sous la pluie. Ok, d'accord. Bah écoute, à ton aise. Hein. Juste que tu vas à la Hall for Geeks cette année. En tout cas, ils m'ont pas invité, Iman. Et quand j'ai proposé qu'ils me réinvitent en disant que la mienne m'avait pas invité cette année, ils m'ont dit bah écoutez, nous on a envie de changer un peu, tu vois, pas tout le temps les mêmes. Et puis j'ai vu qu'ils avaient réinvité Sifano et Magic Nup. J'étais en mode pas les mêmes. D'accord. D'accord. Mais c'est pas grave. Peut-être le dimanche. Peut-être le dimanche. Ça sera voir, je vais voir. Mais c'est pas sûr. Parce qu'en fait, avec Haricot, c'est pas forcément évident. Parce qu'il y a beaucoup de bruit quand même. Et puis, elle est encore fort petite. Et elle a vraiment des besoins de dodo, de sieste. Donc, voilà. L'olforgie. Maintenant, on était bien reçus. En tant qu'invité, je dois vous avouer que moi, j'ai vraiment été traité comme un petit coq en pâte. Ils ont vraiment été adorables. Ah, elle s'ennuie, la pauvre. Hop, prends une portion. Ah, mais ça me tombe de ouf. Voilà. Et par contre, vas-y, voilà, c'est bien, nettoie. Par contre, tu restes en minute pendant les cures, là, ça ira, là. Tu feras bien, là, changer de tenue, là. Hop, allez, voilà, hop. Oui, mais oui, je crois qu'on a entendu les mêmes trucs. Ça y est, Julie, c'est fini. Non, c'est pas fini, Lily, j'ai expliqué en plus. Pourquoi par rapport à Lucifer? Ah, t'as fini, Lucifer? Ok. Ah, et alors, t'as apprécié, j'espère. Valène, pourtant, tu es celle que je vois le plus. Je sais pas encore si j'y vais, mais en tout cas, j'espère qu'on s'y verra. Ah. Mais je vais voir Iman, je vais voir. Je promets rien, malheureusement, parce que c'est assez compliqué pour moi, en fait. Je pensais sincèrement que ce serait plus facile, mais non, ma fille a des besoins de sieste, en fait, ce qui est normal. Voilà. Voilà, hop. Et je vois qu'il y a une toute nana qui se balade par là, qu'on peut peut-être essayer de vendre. Voilà, de la nana. Récolter la nana. Récolter la nana. On fera des soins en plus. Et des thunes. On va aussi faire se reproduire la grenouille. Et hop là. Et en fait, on va prendre celle-là. On va regarder celle-là comme ça. Hop. Et ben, on a 300 et des euros. Je vais peut-être pour m'acheter peut-être des chiottes, du coup. Est-ce qu'on peut s'acheter des chiottes? J'aimerais avoir toilette et douche en fait. Vraiment dans cette petite pièce là, ça pourrait être intéressant. Plomberie. Oh bah attendez, je suis débile en fait. Ah bah non, voilà. Ici, voilà des belles douches. Des belles chiottes. Par contre, je n'ai pas d'argent pour m'acheter une porte. Mince. Que je fais là, je fais du caca. Voilà. On va s'ouvrir une porte, hein, ça serait peut-être bien. Voilà. Ah mince, je peux pas. Oh. Pourquoi je peux pas mettre la porte? Bébé.move object on. Mignon. Voilà, comme ça. On a une porte et par contre on n'a plus d'argent pour la douche. Par contre on n'a plus un rond. Non, tu n'as plus un rond.
Bah écoutez, il est que 10h du matin, Massim, bah, elle va aller aux toilettes. Ah merde, je vais pas aller faire toilettes, pas grave. Anyway, qu'est-ce qu'elle veut faire? On s'en fout des vampires. Voilà. Donc, nous, on va laisser, donc, comme on a l'autorisation, bien sûr, dans notre challenge, d'aller où bon, nous semble. Je vais aller avec Massim bah, récolter des trucs, des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Ah bon, le guéridon? Bah écoute, c'est pas grave, écoute, mais comme ça, elle le garde, tu vois, elle l'a pas acheté, comme ça, je pourrais poser la télé dessus, tu comprends? Ça pourra, je pense, être plus qu'utile. Qu'est-ce qu'il y a, Harry? Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Qu'est-ce qui se patente à la fin de quoi? J'avais pensé framboise en fait, mais je me rends compte que ça va être trop le bordel en fait. Même si je mets un panielage dans chaque chambre, en fait, j'ai passé ma journée à ça, donc j'ai pas envie. Je t'avoue. J'aurais vu le lapin, dit coucou. Hein, quoi? Ah oui, dit bonjour et dit bienvenue aux personnes qui se connectent, qui viennent sur les lives. Il dit, mais non, il ne parle pas, non. Pas très pratique, mais non, il ne parle pas, cette brave bête. Est-ce que... C'est quoi ça? 13. Je voudrais bien avoir les choses. Des petits cristaux. Bonjour, donnez-moi des cristaux s'il vous plaît, des cristaux, des petits cristaux. Oh, il n'y a pas de cristaux. Donnez-moi des... Ah, non, non, d'accord, pas de cristaux. J'avais des cristaux. Bon, c'est pas grave, on va aller autre part, écoutez. Allez... On va trouver ces fous de cristaux. Oui, dans les premières règles en fait, parce qu'on peut dire qu'il y avait plusieurs versions du challenge en fait, et Killem a testé d'autres. Je suis con. A testé d'autres versions que bah, vous n'avez pas connues parce que. Coucou Saragon! Et donc le truc qu'il y a, c'est que j'ai lu avec ses yeux de la. Avec ses yeux de la. Oh là là! Tu peux y aller des murs, mais il faut que j'en trouve aussi. Et le truc. Je sais plus où je parlais. Oui, et donc j'avais mis que dans les étoiles qu'on pouvait gagner, on pouvait rajouter une laverie et que ça pouvait rapporter une étoile. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment trop chiant et du coup, je me dis, il n'y a personne qui le fera. Ou bien ça va vraiment trop les faire chier, ils vont pas l'utiliser. Et le but, quand même, c'est d'utiliser les fonctionnalités que vous aurez mises soit dans votre hôtel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Fraisier en buisson, je peux pas? Accrotte! Acheter des graines si je fais ça. Ah, j'ai pas une thune. On est pauvre. Je suis pauvre. Non, je n'ai pas de jacinthe. Bon, c'est pas grave. On va vite pêcher un petit peu du poisson, si vous voulez bien. Allez, pêcher. Allez, va pêcher. Va pêcher. La pauvre. Donc elle est sous la pluie avec ses tongs, ses belles petites sandales et tout là, sa petite tenue là. Waouh, on a chopé The Poisson de luxe. Ah, seulement le divertissement, tiens. Je pense que maintenant il y a quoi, Elisa? Coucou Laurie. Oui, à l'époque, oui, c'est vrai, c'était pas des étoiles. Oui, à l'époque, en fait, avant les étoiles, en fait, c'est de l'argent que vous aviez en plus, en fait, mais c'était tellement chiant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, ça va être trop chiant pour tout le monde de compter. Donc je me dis, j'ai fait un système d'étoiles, ça sera beaucoup moins chiant, ça sera beaucoup plus simple au niveau des calculs à faire. Christo, va. Va le chercher. Va chercher le Christo. Oh, le Christo. Précieux cristal. Ça vaut que dalle. Ça vaut mes burnes sur ton front. Excusez-moi. Ah là là là, regardez, on en a encore là. On n'a rien d'autre ici.
Si, regarde pire, on a encore quelque chose là. Excusez-moi, je pense cette voix bizarre. Je devrais pas. C'est juste que je suis ultra contente de vous retrouver ce soir en fait. Donc voilà, j'attendais de faire ce live avec beaucoup d'impatience. Oh. Cette grenouille ne vaut strictement rien. Et vas-y. Tu vas nous tirer un fossile, mais hyper rare, tu vois, genre il vaut 100 000 cents. J'ai de l'espoir, ok. Faut être tellement chaud que j'ai l'impression que Lucifer peut débarquer. Bah écoute, moi il peut débarquer quand tu veux. Ah, des murs, il y en a à Windenburg, c'est ça que tu veux dire, d'accord, ok. Mais oui, c'est bien possible. Mais oui, oui, mais là je crois que j'ai le cooldown en fait, tu vois, je peux pas. Ah si ? Ah si, je peux ! Voilà. Extraire un fossile. 45 simflouz, super. Main fossilisée, c'est trop bien. Vas-y, ramasse un truc bien. On va aller à Windenburg après. Bon, il est 16h, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as trouvé? Super! Un truc rare, s'il te plaît. Caca. On va aller à Windenburg. Où est-ce qu'on va aller? Je vais devoir pour aller peut-être sur l'île. Je crois que sur l'île, il y a plein de trucs bien. On va aller ici. Sur l'île. Oui, je sais, les coquillages, Eva, je sais, les coquillages, je sais. Mais là, les coquillages, ça ne rapporte pas énormément aussi. Faudrait que je regarde. Oui, je sais, laissez-moi te supprimer, je sais. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'avons-nous ici? Voyons voir. Nous avons déjà un buisson pour effectuer un pipi de qualité si besoin, ou une copulation de qualité. Est-ce qu'on a des choses ici qui peuvent... C'est moi ou il neige? Tu sais de la neige? Ah, elle se... Oh, il neige! Les gosses des belles, là. Excusez-moi. Je me jette avec ma cible, j'allais dire. Ah, voilà, creusé. Là, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, effectivement, t'avais raison, des murs, mais elles ne sont pas encore murs, si je peux dire. Excusez-moi, c'était pas très drôle. Pardon, je suis un peu gênée maintenant. Oh là là. Bon, en tout cas là c'est fait. On sait qu'il y a des murs ici. Mais Valentin, je ne veux pas. Je ne désire pas correspondre avec toi. On a une fois de fille qui spawn là dans mon temps. Regardez la queue. Je la creuse, je creuse. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah, mais on s'en fout. Une roche calcaire, c'est super. Extraire un fossile. Casser, c'est trop bien, merci beaucoup. Mais tu viens ou quoi? Allez, plus vite que ça. Allez. Bonjour. Maintenant. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y Diane. Le nom de la déesse de la chasse. Donc s'il te plaît, chasse bien les trucs. Mais une boîte de mon cul là, qu'est-ce que ça vaut que dalle hein. Ça vaut rien du tout, ça vaut pas un copec ce que tu trouves. Tu trouves vraiment que du caca. Je ne suis pas contente, Diane. On doit avancer dans ce challenge. Hein. Je te rappelle que t'es déjà plus toute jeune. Hein. Et bienvenue à Maro in. Amaro, je t'appelle Maro, ouais, parce que ça sera plus facile comme ça. Oui, parce que d'ailleurs, bientôt, il faudra absolument qu'on voit. Oui, non. Il faudra qu'on voit pour. Ouais, mais on peut pas utiliser le Joker. Je réfléchis en fait pour voir comment est-ce qu'on peut faire, mais. Elle est dans le mal là. Ah, ah, là. On
Voilà, normalement encore deux trucs. Allez, tu me trouves un truc bien, hein, s'il te plaît. Hein. Allez, un peu plus vite que ça, remue ton cul là. Ta croupette. Mais qu'est-ce que les pets burnes là avec ces capsules? Tu sais pas trouver des trucs autre chose que ça? Ah, c'est tant de ça. C'est quand même pas ouf, hein. Parce que s'en fout des maïsimes, en fait, en vrai. Hein. On s'en bat les... Ah, ah, ah. Allez, tu me trouves un truc de ouf, hein. Allez. Oh. Moi, c'est un problème. Tu me désespères. Tu me désespères. Écoute, tu me désespères, ma chère. Là, je suis tristesse. Il est 21h, bon, ma cliente se sera servie dans son assiette, elle sera servie dans les trucs faits là, c'est très bien. Ok, des bisous Lily, merci d'être venue. De quoi ça coûte cher? Ah oui, c'est vrai, tiens, mais la pauvre. Mais non, je ne suis pas méchante, je suis réaliste, Kinem, elle ne trouve pas des choses intéressantes. Attends. Chope la grenouille avant de partir. Je m'en bats les couilles, tu chopes cette grenouille. Et ça coûte combien cette grenouille? Elle vaut rien du tout. Ça vaut que dalle. Allez, bon, rentre chez toi maintenant, t'as fait assez de bêtises comme ça. Oui, je la juge, oui. Parce qu'elle est là pour ça, c'est un sim, donc oui. En fait, les Sims, c'est un peu comme la télé-réalité, en fait, ils sont là pour qu'on les juge, non? Et qu'on se dise que notre vie est mieux. Je suis méchante, hein, vous avez bien, vous aurez raison. Mais ouais, voilà. Oh, la rose me plaît. Bon. Est-ce qu'on peut se prendre une douche? J'ai téléchargé un système pour avoir des douches mieux. Et je peux faire ça? Oui, je peux déjà installer une douche, regardez. Je m'ai installé une douche. Voilà, comme ça. Et comme ça. Par contre, ça sera une douche ouverte. Il y aura de la flotte partout dans la maison. Yeah, yeah, merci pour le follow. Bienvenue à Chamallow, Juju. Merci pour ton follow, Chamallow. Et bienvenue à GPT. T'es trop fort. Merci pour ton follow. Ça va très bien. Bienvenue à vous. Donc. Hop. Une portion après. Et ça fonctionne. Mais non, Valentin, je ne veux pas te voir. Ah, elle a bu son verre d'eau là. Je me dis, mais elle a trouvé où son verre d'eau? Voilà. Par contre, ma sim, elle est super fatiguée. On va super stressée. Je vais la faire un petit peu jouer à son PC. Et bienvenue à Pénolap. Bienvenue à toi. Pénolal, pardon. Merci beaucoup pour vos follows. Posez-vous, mettez-vous bien. Est-ce que dans le team, tu pourrais mettre... Oui, tu peux mettre des animaux, c'est pas du tout interdit. Maintenant, ce qu'il vient de dire, c'est que ça prend de la place dans ton foyer. Voilà. Et qu'un... Les animaux, bah, c'est gratuit. Enfin, j'ai pas mis de lien par rapport aux animaux, donc voilà. Donc, en gros, les animaux, c'est gratuit. Maintenant, dites-vous que un animal qui est gratuit, c'est une place de quelqu'un qui pourrait payer, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça, c'est un peu à vous de voir. On peut la faire se détendre, hein. C'est que du coup, en fait, les gars, je pense que je vends ma sculpture de lapin, mon miroir. Mon petit lapin, moi je peux vendre 20. Écoutez, je vends le petit lapin. 105 simflous, le guéridon. Donc je vais quand même le garder, lui. On est samedi matin. Elle devait rester jusque vendredi. Oh, tant pis, c'est pas grave. Coucou Lady Eloyne. Donc du coup, elle est arrivée mercredi. Donc
mercredi, jeudi, jeudi, vendredi. Vendredi, c'est donc 300 Sims Flou, ce qu'elle nous donne. Donc, dès qu'elle va se réveiller, c'est pas grave. Hein, cette musique me fait penser à une chaîne YouTube pas très bien vue. Ah, je ne sais pas qui l'est. Moi, j'ai juste mis des musiques et voilà. C'est tout. J'avoue ne pas avoir. La musique me plaît, je la mets. Voilà, point barre. Donc, on va faire partir notre petite cimette ici. Et. Non. Non, pas de compensation. L'animal en colère. Ah bon, pourquoi il y a cette musique là? L'animal en colère. Est-ce qu'il va plutôt fâché? Lol. Roar. Ah bah non, écoute, une nuit c'est une nuit, elle avait qu'à partir, hein, je suis désolée. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, hop, on fait ça. Non, on peut pas. Mais... Bon, donc... Donc, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi. Donc 300 simflouz, donc hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça ferait 574, hop. Voilà. Et donc on va sauvegarder, gérer les mondes. Voilà, un temps sauvegarde. Bah allez, clique sur le Sims. Bah voilà. Exactement, exactement. Mais j'ai un mode en fait qui permet à la base de faire tout ça. Gérer le foyer. Et donc nous allons mettre. Non, pas avec eux, pas avec eux. On va mettre. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre un autre client directement pour passer la nuit. Hop. Galerie. Hashtag. Client. Hotel Dream. Ah, y en a qui ont mis, y en a qui ont mis avec S, y en a qui ont mis sans S. Ah ouais. Ah bah vous avez pas fait semblant là pour le coup. Ok. 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 Vous avez pas du tout fait semblant. Ah bah merci beaucoup à tous. Ah, qu'il aime, il a mis une petite madame. Oh Nathan, il a mis des gens aussi. Oh. Ah oui, vous avez pas rigolé en fait. Ah ouais, vous avez... Alors on a que des enfants. Mais écoute, Irénée, je vais peut-être pas prendre tout de suite ta famille du coup. J'ai trop peur que le gamin. Ah oui, là aussi. Qui est-ce que je vais prendre? Non, je vais mettre un petit mot à ceux. Voilà. Ça, je saurais. Oups, voilà. J'avoue que je vais mettre le même. Hein. Ah, parce que ça m'intéresse de savoir qui j'ai déjà pris ou pas. Ah oui, mais en fait, la mademoiselle, elle a mis plein de trucs, en fait. Elle a fait plein de sims. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 5 nuits. Non, c'est beaucoup trop long. Il me faut des sims qui fassent un truc court. 3-4 jours. Donc si on compte en jours, ça fait... Base girl. On va calme et paisible. Monsieur Clan, peut-être pour l'hôtel du jeudi de votre hôtel, Madame Lurie et sa fille Jeanne de Marsois, elle aimerait sur 3 nuits
3 jours le temps de l'achever et mon abonnement de celui-là. Proposer un service à la hauteur, mesdames, c'est une de sa fille délicate. Essayez de tempérer par là. Dans votre thème. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Et vous m'avez posté de ces trucs! Et merci pour le follow, Gabi. Bienvenue à toi! Merci pour ton follow! Bon! Et vous avez. Mais vous avez pas rigolé, hein, là, les gars! Oui, donc 5 nuits qu'il voulait, hein, je crois, ces deux-là. Bon, 2 nuits! Bah écoutez, on va prendre ceux-là. Donc hop, donc la famille Groupillon, donc c'est Groupillon, what the fuck, donc c'est de samedi, donc ma parenthèse 2, de samedi à, donc 2 nuits, samedi dimanche, dimanche lundi, jusque lundi. Donc 2 nuits, ça fera donc 400 s'il faut. Et hop, placer le foyer. Ah mince, faudra qu'on retire l'argent. Faudra qu'on retire l'argent. Ok, merci Anna Love. Ils sont trop cute, j'avoue. Coucou Vic, merci pour ton follow, Vic. Bienvenue à toi. Bon. Donc du coup, je vais modifier donc, mon TA 574. Parce que ça m'a modifié au fond du foyer. Et je pense qu'on va... je tourne vite là. On va voir pour s'installer des choses telles qu'une télé électronique, une télé, et merci pour le follow, merci beaucoup. Bah voilà, ça s'affiche, ok, ça s'affiche, c'est ça manque. Confort. Ah. Ah, on a de quoi... Oh mon dieu. Bon, le café, moi, je dirais qu'il nous coûte 125. Pour 125 simflous, on peut avoir un canapé. Allez, il y a peut-être moyen qu'on fasse... On va faire deux tables. On va les accueillir. Bonjour. Ah oui, non. Non, 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 non. Donc, hop, voilà. Bonjour. Donc n'hésitez pas à faire des beaux garçons aussi, hein, ceux qui me suivent, pour que notre petite... qu'est-ce que tu fais en nuisette? Tu t'accueilles comme ça les gens? Voilà. Bienvenue chez nous... Oh putain. Ah, oh JPP. En fait, t'aurais dû les ajouter en temps déjà sur la partie. Oui, je sais bien, de toute façon là, ils risquent de pas payer. Tu déconnes? Oh, j'ai pas fait attention à ça, merde. Non, ça va, c'est bon. Bon. Super, mais je m'en fous. On a assez parlé avec eux, moi je vais fabriquer un meuble. Guéridon, voilà. Quelqu'un déprimé, calme-toi. Elle quitte en mode ok, je me casse. Ça va. Elle s'est servie, le monsieur a pris, donc ils pourront faire dodo là dans les trucs. Non, c'est vrai que c'est pas un lit double, mais c'est pas grave. J'ai pris une petite bicoque. Voilà. Bah écoute, moi je t'avoue qu'au niveau des exigences des clients, voilà, je les laisse se débrouiller, hein, vu que je vous rappelle qu'on touche pas aux clients, enfin, on peut pas les manipuler dans les règles, c'est dans les règles que, bah, voilà, les manœuvrer le moins possible avec eux. Maintenant, admettons, il y a un feu dans l'hôtel, vous pouvez quand même les prendre, enfin les manipuler pour les faire s'éteindre ou les sortir, c'est un peu comme si la gendre venait et allait les mettre à l'abri en fait, donc, voilà.
Bonjour. Jardinage, qu'est-ce qu'elle me fait? Tu me cultives. Ah, c'est vrai, elle m'arrose mes trucs, c'est très bien, c'est très gentil. Je crois que j'ai ma fille qui se réveille. Oh, crotte. J'espère que c'est parce que ma fille est pas en super forme pour le moment. Donc j'espère vraiment que ça va aller. Indara, tu sais aller? Trop bien, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Donc... On va mettre... Ah oui, mais on a plus d'argent, donc du coup on va mettre... Oh, regardez, cette truc-là, c'est trop joli. Ou celui-là. Celui-là colle vachement bien à l'ambiance de notre hôtel, je trouve. Voilà. Voilà. Et... Oh non, ça fait trop cher, tout lit, ça fait trop cher. On va mettre plus comme ça, voilà. Et on va mettre une petite lampe. Éclairage. Bon, je vais les amis, j'ai ma fille qui est pas en super forme, en fait, voilà, mini micro souci de santé, un truc, voilà, les fesses un peu rouges, et donc du coup, si elle pleure beaucoup, enfin, peut-être que j'arrête le live plus tôt pour pouvoir aller aider mon mari à s'occuper d'elle, donc voilà, je préviens déjà. Yeah. Qui? Oh, creepy creeper, coucou mon pack, merci beaucoup, Di, c'est super sympa, Di. Comment tu vas? 5 mois consécutifs, c'est ouf. Des petites moules, mettez des petites moules dans le chat, ceux qui peuvent le faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as pu? C'est en ce moment, mon fils, dis-moi, il vit très mal la chaleur. Elle, ça va encore, en fait. Ce qu'il y a, c'est que... Elle a les faces un peu rouges pour le moment, en fait. Enfin, un peu... Assez rouges, en fait. Et non, je pense que, voilà, c'est un tout. C'est les dents qui se font, voilà. J'entends très très bas, c'est bizarre. Bah, monte le son. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Donc voilà, notre truc commence à prendre forme, il nous faudra bientôt le bureau que je vais rajouter à mon avis ici. Voilà, en une portion. Par contre les légumes nous les rapportent de ouf. Je vais peut-être voir pour aller prendre des murs. Et donc du coup je pense aussi que je peux peut-être regarder la télé à ma 6 mètres. Ma 6 mètres à ma 6 mètres, pareil. Qui pêche? Ok d'accord, j'ai flashé, attends. Ah là sinon c'est la combinaison de pêche qui commence, ok d'accord. Donc voilà, hop, utiliser, prendre une douche, non prendre une douche pas besoin. On va aller faire parler un petit peu avec les clients parce que c'est vrai qu'elle n'est pas en super forme. Ça va, mesdames, messieurs, tout se passe bien. Le programme télévisé vous plaît. Le temps, ça va? Tout va bien comme vous voulez. Tout vous convient. Fabuleux. Oui, je m'assieds à votre place, oui, parce que je m'en fous. Que je suis une mauvaise dame qui prend. Ouais. Bah oui, complètement. Tous mes sons sont à fond. Ah, c'est bizarre ça, Yukiko. Et t'augmentais bien le son bêtement de Twitch? Parce que nos clients ils arrosent les plantes, donc du coup ça nous rapporte ouf. Voilà, donc nous ce qu'on va faire, je vais retourner aujourd'hui à Windenburg voir si les fameux plans de mur ont mûri. Ok, ça va, oui, Kiko, ok. Hop, voilà. Ah.
qu'on est bien quand même, les gars. Qu'est-ce qu'on est bien. Bon, est-ce que nos murs ont mûri? Ah, je regarde. Ah non, les jacinthes n'ont pas mûri en tout cas. Fraisier en buisson. On va attendre un petit peu. Peut-être que ça va peut-être au bout d'un moment faire pouch. Oh, on a mûri, regarde. Tu peux nous ramasser. Mufflier. Fraisier, ok. Hop. Ah non, non, non. J'ai un trésor. On liquide cette carte à la con là qui prend de la place dans notre inventaire inutilement. Oh 140. Hop. Voilà. Ça peut comme ça. Poirier, ok. Ça, c'est quoi ça? La fameuse plage, là, il fallait une plage ici avec des trucs. Non. J'adore ce coin dans les Sims, le fait comme ça que c'est tout naturel, c'est vraiment agréable comme zone, je trouve. Allez, trouve un truc bien. Allez Diane, trouve-moi quelque chose de bien. S'il te plaît. Tu me saoules avec tes cartes. Tu sais où tu peux la mettre, ta carte? Dans un endroit où un archéologue la retrouvera. À moins qu'elle soit morte. Meuf super sympa avec ses signes, tu vois. Oh, le fut seul l'amour, on s'en passera bien. Hein. Oh, bienvenue à Duxoxo, bienvenue à toi. C'est quoi la musique? La musique, ça s'appelle... In the Blue. Ah, c'est le nom de la musique. Mais j'ai pas le nom du groupe qui s'affiche, je t'avoue. Je sais qu'à une époque j'avais un système qui permettait de mettre les noms des musiques et tout ça, mais c'est tellement chiant à installer, je vous jure. Et j'ai pas le courage de le remettre, je vous avoue, tellement c'est chiant à installer. Ouvrir, extraire un fossile. 70. Donc écoute, rentre chez toi parce que là ça ira deux ondes. Je vais devenir enjôleuse. Dis donc, mademoiselle, là vous allez vous calmer tout de suite là. On n'est pas en hiver, Pixel, on est en printemps. Mais je pense qu'on va regarder pour se prendre des... Bon, on va refaire encore quelques meubles en fait. On a qu'il y a des meubles... non, meubles. Des meubles, étagères murales, guéridons... guéridons, voilà, on va faire des guéridons. Mais non, je n'ai pas fait ça, Kinem, je t'avoue, désolée. Je dis, j'avais une question pour toi. Ce que les clients trouvent lors des séjours à l'hôtel, on peut les récupérer? Non, non, c'est à eux, vu que c'est dans leur inventaire à eux. Enfin, ça me semble logique, tu vas pas trouver un client en mode « Hey, bonjour, vous avez trouvé un coquillage, vous me le donnez ?» Ça le fait pas trop, tu vois. Valentin, je ne désire pas correspondre avec... toi. D'accord, pauvre Tim. C'est mieux de faire le bureau ou la deuxième chambre en premier? Moi je dirais le bureau parce qu'en fait dès que t'as tout ton hôtel qui est valable, tu peux commencer à gagner des étoiles en fait. Parce qu'en fait dans les règles en fait tu peux très bien garder qu'une chambre tout le temps en fait. Et upgrader tes étoiles. Voilà mon tour, je vais me remettre les règles comme ça je suis sûre. Les avoir sous les yeux, hop.
Pour ceux qui veulent les règles, je rappelle, ceux qui regardent sur YouTube, vous trouverez les règles dans la description. Et voilà, ceux du chat, vous avez les règles qui s'affichent là. Donc je me rappelle pour l'hôtel valable, ce que c'est. Hall d'entrée avec un bureau, donc le hall d'entrée il est bon, on l'a ici le hall d'entrée. Une pièce pour vous, une pièce pour vous gagner les étoiles, là-bas le bureau, donc... Oh, c'est vrai que là j'ai pris ces bureaux, mais non en fait c'est tout l'hôtel qu'il faut avoir pour gagner les étoiles, enfin tout l'hôtel, c'est toutes les pièces valables. Les cuisines, pour moi, c'est vrai que j'ai pas dit qu'il y a le même effet, mais pour moi voilà, dès qu'on sait faire à manger c'est valable. La salle à manger, il y a une salle à manger, c'est valable. Une chambre, la chambre va compter 2 lits. Un lit ou 2 lits, je fais plusieurs fois. Une table de chevet par côté et une lampe. Une commode ou une garde-robe. Bureau, chaise. J'ai pas mis poubelle, mais voilà, il y a une poubelle aussi, donc ça c'est bon. La salle de bain, pour être valable, doit compter une douche ou baignoire, les deux. Un WC, un évier, papier toilette, 2 serviettes. Et un espace détente. Voilà, espace détente. Donc en gros, il nous manque notre bureau. Il nous manque plus que notre bureau. Donc on va, je pense, foncer là-dessus pour commencer à essayer de gagner des étoiles. Qu'est-ce qu'elle a, elle a réussi son. Alors, pour foirer sa table de bras là. Mec, c'est conceptuel, maman, faut pas déconner quoi. Oh là là, purée. Moi je pense qu'on va faire un truc, on va prendre un risque, là maintenant. Donc pour rappel, ceux qui jouent en modé, vous avez le droit d'utiliser le mode pour faire des prêts bancaires. On va faire, je pense, demander un prêt à la banque de... Coucou Liz Gaming. On va demander un prêt, on va faire un prêt à la banque pour pouvoir faire notre bureau et au moins la piscine. Mais on n'est pas encore pote avec Michaela et les trucs, c'est vrai. Ma tante me dit quelque chose en tout cas, Alice. Je suis sûre que c'est en hiver à cause de la neige. Bah oui, c'est pas grave, mais tu vois, en dessous, toi, t'as le printemps, juste ici en dessous. Ah oui, non. Donc du coup, on va faire ça directement. Donc. Plus de choix prêt bancaire. Pour ceux qui veulent le mode, vous avez le lien vers le mode dans l'article. Là. Donc on voit très bien, je te remercie. Donc on va emprunter. Voilà, on va regarder un truc. Pour la piscine, il nous faut combien? Donc c'est une, deux. Ça fait 7000 idées. Donc il nous faudra au moins 8000 simflous pour la piscine. Donc on va faire on va demander 10 000. Même plus de 10 000. On va demander plus. Donc prêt bancaire, 10 000, 5 000. Il n'y a pas 20 000, donc c'est même 25 000. Donc, on va demander 25 000 en 24 paiements. Et comme ça, on va pouvoir faire notre bureau et faire la piscine. Et dès qu'on est amis avec truc, voilà, préaccordé. Et donc là, on va commencer à faire tout. Et ça, de vrai, c'est pas un peu facile. Bah, ce qu'il y a qu'il n'aime, c'est que c'est pas forcément facile parce que tu as le... Tu peux avancer certes plus vite, mais t'as quand même les factures à payer et tout, donc c'est pas forcément plus facile. Donc, en même temps, ce que je vais faire en parallèle, je vais travailler sur le truc. Donc, hop. Hop, donc piscine. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, et voilà. Donc on a notre piscine. Ensuite, on va se faire notre bureau. On va s'agrandir un peu notre espace parce que là, on a un espace, c'est trop minuscule, c'est tout rikiki. Et en fait, je vais en profiter même pour
pour déplacer l'entrée de l'hôtel, on va commencer à faire l'hôtel en tant que, comme il sera. Donc j'avais commencé à faire mon plan, je vais rechercher mon plan. Donc, excusez-moi les amis, je vais un petit peu recompter les trucs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me faut une pièce de 8. 2, 4, 8. Sur... Ah, c'est vraiment une pièce carrée. Donc, voilà, comme ça. Je vais déplacer les pièces pour faire un truc joli, hein, vous inquiétez pas. Donc, hop. Est-ce que j'ai un truc en blanc? Voilà. Hop, du blanc, voilà. Hop. Comme ça. Maintenant, on va faire un plafond comme ça. Voilà. Une porte un peu sympa de 2 de large, vitrée. Elle est très très belle celle-là. Mais je crois que je préfère encore celle-ci qui est vraiment classe. Pour ceux qui veulent, je l'ai pris sur, sur je ne sais plus le nom du site. Je crois que c'est Sims National, je pense. Et donc. Hop, hop. Hop. Et hop. Voilà, là ça fait classe, je trouve. Ensuite, je vais mettre. Donc là on était sur 8. Donc on est parti donc sur. Hop, ici comme ça. Là, nous aurons la mini pièce d'accès à la cuisine. Là. Donc là, ça sera l'entrée de l'hôtel. Là, je refais en même temps et je refais le bureau après. Donc. Hop, on reprend cette porte double, on la clap ici. Oh wait, non, je suis juste, voilà. Une porte simple en blanc. Voilà, voilà, voilà. Et alors, on va mettre l'ordi. Ils sont la pauvre, on l'a bougé. L'ordi va être ici. Voilà. Et on va voir les demi-murs. Donc, on va faire ça ici. Comme ça. Un, puis ça. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça on pourra accueillir les gens. On va mettre des belles lampes ici quand même pour faire classe. Des lampes qui font un petit peu voilà, plus comme ça. On va mettre des. Oh, je sais, mettre celle-là, les boisées. Voilà, parce qu'on fait quand même, ça peut être intéressant. Un beau lustre, un beau lustre, j'ai dit. Un peu trop bas. Hop, comme ça, et voilà. La cuisine, on va la déplacer. Donc la cuisine devait venir ici. Voilà. Là, ah ouais.
La fameuse porte, on va la mettre ici. On va la remettre en blanc. On va juste déplacer tout pour... voilà, comme ça. Oups, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va carrément tracer le mur, voilà. Donc là, le mur, donc il y a un petit truc renfoncé comme ça. Et hop. Voilà. Et donc, comme ça, au moins, on a le truc là, ici, comme ça. On va recolorer en blanc. Ça, c'est fait. On va reprendre la même truc qu'on va mettre ici. On va mettre une petite lampe, vraiment la moins chère possible, ici. Et ici. Voilà, comme ça. Et là, alors, du coup, on va mettre des lampes un peu... Ça pourrait être complètement canon, ce truc là. Où est-ce qu'elles sont? J'avais pas des plus larges. Ah voilà, les plus larges. Oh oui, dites, ça fait complètement canon. Voilà. Bien que ça fait un peu bizarre, ça pend là, comme ça. Non, ça fait comme si le truc passait devant, c'est pas grave. Donc ici, notre truc, on va le mettre là. Comme ça, les clients ne vont pas l'utiliser. Donc on va en fait en gros boucher juste l'accès ici au client et la salle à manger, donc je vais déplacer ça ici. Voilà, on va prendre la porte ici et mettre une porte un peu dans le même style que ce qu'on a pris celle-là, mais ici, voilà. Voilà comme ça. Ça c'est fait. Ensuite, hop, ici comme ça. Par contre, on a toujours pas fait notre bureau. Je le conçois, vous inquiétez pas. Je le conçois. Vous inquiétez pas, j'y pense. Voilà. Voilà, ça c'est bien comme ça. On aura un petit peu de lumière, un petit peu de light. Ici comme ça. Voilà, et voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, notre petite demoiselle. Pour le moment, on va déplacer des pièces. On va mettre sa pièce de sa chambre, genre ici. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Crotte. Voilà, on va se déplacer ici. Voilà. Ah, il m'énerve, mais non, c'est vrai que j'ai le truc là qui va... Ah non, c'est bon. On va faire ça comme ça. Hop. 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 Et on va prendre le lit, le déplacer là. Je pensais que ça m'a pris le lit avec, mais non, ça m'a pas pris le lit avec. C'est pas grave, donc. Voilà. Hop. Voilà, et ici donc la salle de bain. On va la coller comme ça et on va la retourner. Comme ça. Là. Et... Attendez, hein. Désolé les gars, si je dis pas trop ce que vous écrivez dans le chat, je vous laisse faire... là, vous êtes en roue libre, là, totalement, là. Il faudrait avoir un raid que je ne verrai même pas. Voilà, je récupère mes thunes, hein, vous aurez compris, là. Attendez, là, je vais juste prendre la porte ici, la récupérer, parce que j'en aurais besoin. Pour la clapper ici. Voilà. Et on va même mettre ça comme...
ça. Hop, voilà, comme ceci. La chambre des clients. On va la mettre genre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Coller comme ça. Et on va la retourner. Non, c'est pas ça que je... Mais... Ah oui, mais non, mais je suis con aussi, moi. Plus comme ça. Oh, dis, tu me saoules. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Pour le moment, je conçois que c'est moche, hein, ne vous inquiétez pas, je conçois tout à fait que c'est moche. Pas d'inquiétude, je m'en rends bien compte. Ouais, mince, il prend pas les lits en compte, ce couillon. Oh, bon, je vais réveiller les clients, je suis désolée, mais vous avez... Les clients vont se dire en mode... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? L'hôtel a changé. Est-ce que c'est normal, Micheline? Je ne sais pas, Gilbert, mais c'est comme ça. On a un meilleur hôtel maintenant. Est-ce que tu penses qu'elle va nous faire payer plus cher? Sûrement. Donc, du coup... Voilà, ça c'est fait. Notre espace détente, on va se... je vais couper en fait une pièce ici pour faire l'espace détente ici. Voilà. On va se couper la petite pièce ici. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Les petites plantes, on va en mettre ici devant. Écoutez, hein, ça sera beaucoup plus joli comme ça. Voilà, comme ça. Hop, la boîte aux lettres ici. Un peu mieux, j'allais me débarrasser des trucs. Là, c'est peut-être pas adéquat. Ces plantes-ci, qui sont peut-être moins belles, on va les mettre sur le côté. Oh, 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 je vais vendre ça, moi. Non, dit. Voilà, hop, ici, comme ça. Non, donc, ce que je disais, Kinem, ouais, que c'était peut-être... T'avances peut-être plus vite, en fait, mais ce cas, c'est que tu dois quand même payer ton prêt plus tes factures. Donc, du coup... Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu kiff-kiff au final, hein, parce que si tu payes pas tes factures, ton Sims va pas être bien. Ton Sims va être stressé, donc voilà. Et peut-être donc du coup moins performant. Donc, ça c'est fait. Oh merde. Voilà, on va se faire un... What the fuck? Non. On va se mettre un toit. On va se mettre un toit. Pourquoi est-ce que ma pièce n'est pas prise en compte? What? Attendez, parce que là ça me saoule, là je suis saoulée là. Pourquoi t'as pris ma pièce en compte, couillon? Hop, c'est bon, voilà, hop. Si je fais ça. Voilà, ça c'est bon. Ok, c'est nickel. Ça c'est fait. Ensuite, notre bureau. Le bureau, en fait, je sais même pas comment je vais faire, comment je vais m'organiser ça. La pièce ici, je réfléchis, non, ça n'ira pas.
En fait, je réfléchis pour... Ça, j'ai trouvé. On va faire ça comme ça. Du coup, la Micheline, hop là ici, voilà. Et on va ajouter ici une pièce. Je conçois que la forme est moche, ne vous inquiétez pas, je le sais, je m'en rends bien compte. Hop. Petite fenêtre. Fenêtre ici. Hop. Hop. Que nos sims soient pas en mode « Oh, moi je vais me suicider, y a pas de truc là. » Hop, 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 voilà. Voilà. Et donc, du coup, on va créer notre bureau. Surface, bureau. On va prendre un bureau assez simple, hein. c'est pas la priorité. On va déjà remplir une bonne partie du prêt, enfin rembourser une bonne partie du prêt. Électronique, un bête PC c'est bon, confort, petite chaise de bureau, voilà. Donc chaise de bureau, pour avoir le que le bureau ça soit... Pardon, je vais te faire un bruit bizarre en buvant. Un bureau, une chaise, un ordinateur, une bibliothèque. La bibliothèque, en fait, pour ceux qui demandent, mais pourquoi une bibliothèque? Pour le côté RP, de se dire, bah voilà, les dossiers quand on est client sont rangés. Voilà. Donc je vais me prendre une assez jolie bibliothèque. Voilà. On ne fait pas celle-là du coup. Plutôt celle-ci. Et du coup, on va se prendre même également des petites lampes. Pour être un petit peu, pas joli, mais qu'on puisse voir un petit peu où on est. Et voilà. Et donc les amis, voilà un hôtel valable. Et je pourrais d'ailleurs déjà compter une étoile parce que j'ai une piscine. Donc je vérifie hein, mon truc que je dis, on gagne une étoile, on a une piscine de 10 sur 5, elle fait 10 sur 5. Et donc, du coup, quand je serai amie avec Michaela et Jacob, je pourrai avoir un truc, voilà. La piscine va rester là, peut-être que je vais peut-être pas pour la rapprocher quand même. Voilà, on va la rapprocher un petit peu pour que l'on puisse en profiter. Et on va mettre, comme j'ai pas trop de thunes, on va mettre des petits carrelages, mais genre comme ça. De faire un truc un peu joli hein. Merde, c'est pas du tout aligné. Voilà. Voilà. Oups. Voilà. Et donc sur le devant. On va mettre, on va faire le même truc mais un peu plus étroit. Pourquoi ça fait un peu bizarre hein, je le conçois. Voilà, comme ça. Et pour faire plus naturel au niveau de mes plantes. Voilà, comme ça. Et voilà. Au niveau du toit, on va se prendre un toit. On va le faire en noir, hein, ou bien plutôt peut-être même en, non, plutôt en blanc, parce que ça sera plus... ça fera moins froid. Voilà. Parce que c'est pour un truc... Carrelage décodeur, c'est très bien, voilà. On y est, bah voilà, et donc du coup, nous avons un tel valable, déjà une étoile. Voilà, c'est top. Et ceux qui disent, y a pas d'échelle, ne vous inquiétez pas, c'est pas un drame, c'est pas d'échelle. Et c'est pas bon ça? Oh coucou Naila, coucou à ceux qui arrivent, bonne soirée, je file lui. Ok des bisous, merci beaucoup d'être passé, coucou Sam.
Oui, le mode, de, le mode des prêts ajoute des intérêts. Ok, des bisous. Une échelle. Mais pas besoin, Rosebud, ils sortent comme ça. Donc, nous avons notre première étoile. Demain, Massim va faire une petite photo. Donc, aussi, truc qu'il faut qu'on fasse, donc verrouille la porte pour tout le monde sauf Diane. Et ici, verrouille la porte pour tout le monde sauf Diane. Donc voilà, comme ça, les gens n'auront pas accès à toutes les pièces ici. Donc voilà, c'est assez pratique, comme ça. Oh, j'ai pas décoré le... J'ai pas mis le truc là. Et donc, du coup, ben, on va voir aussi donc, pour rembourser. Voilà. Voilà, comme ça. Pour déjà rembourser une partie du prêt, têtu de paiement, 2000 aidés, voilà, hop. On va déjà effectuer deux paiements, en plus c'est écrit, donc il nous reste encore 22 paiements à faire, voilà, hop, encore un. Allez, hop, encore un. Il nous reste au total 20 paiements à faire, donc on va déjà rembourser 5 fois. Et voilà, donc notre sim a tout ce qu'il faut pour commencer à gagner des étoiles. Et donc, d'ailleurs, je vais mettre dans mes petites notes une étoile. Et donc, mes sims vont me rapporter, en fait, donc, 800 simflous pour le coup, alors du coup, au lieu des 400 à la fin de leur séjour. Donc, moi, je dis, c'est bueno. C'est bueno. Ouais, ça, c'est trop bon, ça. Et donc une étoile, je vais colorier mon étoile parce que j'ai mon petit billet journal et je me suis dessiné des petites étoiles pour me rappeler. Donc hop, une étoile. Voilà, notre première étoile se brille dans le ciel. Notre cimette va aller faire un petit dodo. Voilà. Maintenant je vous rassure les gars, j'ai fait ça en vitesse. Chaque fois que je viens sur tes lives, je suis pâtée par tes créations de sims. C'est toujours très... enfin, oh non, franchement. Bah, ce cas, c'est qu'en fait, la partie ici va rester telle quelle tout le challenge. La partie ici aussi. Le salon, lui, va être déplacé de ce côté-là. Et les chambres, en fait, vont être à l'étage, en fait. Tout le rez-de-chaussée, en fait, vous n'aurez que les lieux de confort. Enfin, les lieux de... Genre, bah, la salle à manger, le restaurant, le salon... aussi je compte sur une partie boîte de nuit en fait, une salle de sport, voilà, tous ces trucs là vont être au rez-de-chaussée. Peut-être la salle de sport, peut-être que je la ferai à l'étage. Et donc à l'étage en fait, donc ça sera un hôtel qui sera en forme de U. À l'étage vous aurez les chambres en fait. Et voilà, et donc à l'étage, à la partie centrale ici en fait, vraiment ici, donc à l'étage vous aurez la suite en fait. Est-ce que donc je ferai une suite à notre petite Diane, voilà. Voilà, voilà. Non, comme ça nos petits sims pourront déjà aller se détendre dans l'eau si je désire. Voilà. Ouh. Le lieu commun, genre bas, chambre et l'étage, pas celui comme il est. Oui, je compte engager une chambre de ménage aussi. Oh mince! Gertrude, elle va prendre sa douche. Elle y va en robe. Attends, tu sais sortir quand même. Attends, je vérifie un truc. Je vérifie. Ah voilà, oui, c'est la sortie, c'est vrai. Je vérifie juste là. Oh putain, ça me saoule. Ah, oh, je suis saoulée. Ah, je suis saoulée. Ah non, mais là, demain, je vais appeler le gars de... Le réparateur. Mais c'est ça, Eva, merci tout à l'heure. J'avais complètement oublié. Putain, il va faire. Oui, ouais, ça, j'avais déjà lu, ça. Oh purée. Bon, je vais vite faire une petite sauvegarde. Hop. Oui, bien sûr, Anna Love, c'est dans les règles. Hein. D'ailleurs, attendez. Comment être de terrain? Quand votre trait a une étoile, on peut prendre le trait de terrain de votre choix. Moi je sais déjà ce que je vais prendre pour le moment. Donc gnome, voilà, on va prendre les petits gnomes, hein.
Voilà, comme ça les trucs vont se réparer tout seuls, hein. Ah non, on va prendre les gnomes. On va prendre le gnome. On va prendre plutôt un truc pour faire grimper. Plutôt ça. Voilà. Pour que notre miss en fait. Pas changer, je suis en train de terrain. Oui, voilà, bah voilà. Tu le rajoutes, mais tu gardes quand même les deux autres. Hop là. Désolé pour le petit cling. On va se lever tôt, on va directement appeler le réparateur. Hop. Acheter un service. Réparation, voilà. On va déjà remplacer ça, écoutez. Remplacer, voilà, hop. On va remplacer ça, écoutez, parce que ce qu'il y a, c'est que. On remplace tout ça parce que ça va être chiant sinon. Voilà. Tout ça, le réparateur pour réparer tout ce qui est visible. Ah, oh, ça me saoule, on a perdu du fric, mais en masse, là. Ah zut, j'ai oublié de mettre ça autre part. Mettre ça... dessus, c'est très bien. Voilà. Oh, purée, ça me gonfle. Voilà, comme ça. Ah mince, faut qu'on fasse à manger pour nos clients. Le réparateur, tu répares pas mes trucs, là? Eh, tu fais quoi, là? Et quoi? Ah bah ça il le fait. Tenue. Reste pas comme ça. Oh il pulvérise mes plantes, le pépère, merci. Tout vendre. Qu'elle veut faire? Ouais mais non. Ah bien que ce soit quand je pourrais la faire nager, il n'y a pas d'interdiction à ça. Ça me rapporte de ouf les trucs là. Nager. Voilà, c'est très bien. Hop, t'as été nager, c'est très bien. Après, on va vite faire à manger pour les clients parce que les clients n'ont pas du tout de petits trucs à manger. Ça fait pas trop. Voilà, tout steak des œufs. Voilà, hop, ça c'est bien. Coucou Elise. Quel fraîchement refait. Déjà que c'est une annonce comme ça. Bah oui, écoute, on n'a pas de chance, Eva. On n'a pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Regardez, on brille parce qu'on a déjà les trucs et donc comme ça ira beaucoup plus vite pour gagner les points de trucs. Regardez-moi ça, regardez-moi comme ça grimpe. Hop, voilà, comme ça, ils ont le truc. Oh mince, on a pas de table pour notre petite dame, voilà. Donc on va vite aller faire tout ce qu'il faut, prendre sa douche. Et donc pour le coup, on va la faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! On va aller au marché aux puces. Peut-être qu'on pourra trouver des choses intéressantes, genre des meubles en fait, qu'on pourra acheter dans notre hôtel qui nous coûteront peut-être pas trop cher. C'était le but, c'est pas que ce soit simple, hein. C'est trop simple, c'est pas drôle. Mais en tout cas, on a déjà une étoile, là je suis super contente. Même si ça va nous coûter super cher. Donc, qu'est-ce qu'on a quelque chose de bien ici? Des choses bien.
On a un canapé ici. 900 balles, tu déconnes ou quoi? C'est beaucoup trop cher. Oh, il est bien celui-là. On va mettre dans notre entrée. Qu'est-ce que vous en pensez dans l'entrée pour les clients qui attendent? Voilà. Ça, c'est quoi ça? La lampe ici. Elle est bien aussi. Ici. La chaise ici ira très bien avec le truc de le hall d'entrée. Ok. Ah bah on va manger un plat. Comme ça on va pouvoir apprendre des plats. Quand on a mangé, on va se faire un curry. Comme ça on va pouvoir apprendre des plats pour servir autre chose à nos clients, que bêtement les trucs qu'on peut leur servir. Voilà. Voilà. Ah, j'avoue que j'ai pas négocié, c'est vrai que moi j'ai fait au plus facile. Hein. Mais non, mais Valentin, laisse-moi tranquille. Bon, Valentin, si tu regardes cette rediffusion, parce que je ne vois pas dans le chat, ton sim a l'air très intéressé par ma sim, mais non. Ok, nickel. Donc là, elle a commencé à manger. Donc elle pourra préparer du curry maintenant à ses clients. Donc ça pourrait être chouette. On va la faire rentrer chez nous pour installer nos petits achats. Ouais, sauf que Joker Amour, voilà, Valentin est venu une fois à l'hôtel. Donc le Joker Amour, ça sera notre sim. Je verrai bien. Je verrai bien qui je vais choisir. Pour ce joker. Bon, nos petits achats que nous avons fait. Donc nous allons installer. Hop. On a une assiette toute vide ici. On va la mettre genre là. Hop. Ah. Donc ce petit canapé, on va l'installer ici. Toi, je vais t'installer là. Vous voyez, ça habille vraiment la zone en fait, je trouve. Ça habille vraiment la zone. Voilà, hop. Voilà. Limite, en fait, ce que je vais même faire. Désolée, mamie, mais je vais un peu t'ennuyer pour le coup. On va mettre ça là. Hop, ça ici. Ça ici. Voilà. Pour nous, une belle chaise de bureau. Hop. Et là. Il y a bleu marine. Non, du bleu marine. Oh, bleu, c'est joli. Ça ressort vraiment bien. Et alors, la lampe, on va la mettre ici. Voilà. Yeah, yeah, merci pour le follow et bienvenue à Cartedog. Merci pour ton follow. Hein. Ah bah écoute, oui, regarde, mais c'est pour qu'elle soit mieux, regarde. Mamie, elle sera bien mieux, là. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, donc notre sim. Oh mon dieu, la chaux. Il nous manque un truc, mais maintenant c'est pas obligatoire pour un hôtel valable. C'est une commode. Merci beaucoup, Yana. J'avoue que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment Dan est très belle. Je crois que je l'ai mis dans la galerie, je pense. Je pense qu'elle doit être dans la galerie. Donc. Ah, du coup, elle est super tendue. On va la faire jouer un petit peu à Blick Block. Un peu se détendre. Voilà. Parce qu'elle est vraiment très énervée. Niveau 3 en jeu vidéo. C'est cool. Plus tard, on fera des compétitions pour gagner un petit peu de trucs. Ah, mais les gars là. D'accord. Mange pas les trucs là. Voilà. Et merci, bienvenue à Arwen. Merci Arwen pour son follow. Bienvenue à toi. Pose-toi. Prenez-vous un petit cabaret, un petit grignoté. Même si la journée, je vais peut-être plus encore trop durer. Voilà. Ouais, voilà, c'est très bien comme ça. Et on va aller fabriquer des meubles, je pense, guéridon. On va essayer de faire un guéridon, écoutez.
Mais Valentin, mais fous-moi la paix. Voilà, un petit truc comme ça. J'aime bien aussi améliorer la chambre des clients. Ça, je pense que ce sera un de mes objectifs, ça va, c'est améliorer la chambre des clients. Elle a fait des abdos dans le lit, j'ai pas compris. Tout va bien. Tout va bien. Oh mais tu me saoules à foirer tous tes guéridons là. Dans tous les cas, eux, ils vont me rapporter 800 simflouz. Dès que j'ai ça, je vais voir pour essayer d'améliorer la chambre, pour voir, pour commencer à accueillir des familles, en fait. Donc, je vais améliorer la chambre, l'agrandir, mettre un lit double, et laisser deux petits lits, en fait, pour vraiment pouvoir accueillir un couple et deux enfants, qui va m'apporter beaucoup plus d'argent. Vraiment plus. Donc, ça sera pratique. Et donc, finalement, agrandir aussi la table ici. Bah, elle est comme elle est, écoute, hein, c'est une dame qui aime bien de la musculation, voilà. Bon oui, elle a un physique assez atypique, j'avoue. Hop, voilà. La douche, pas besoin, en fait. Donc, pour le coup... Pour le coup, que je regarde comment est-ce qu'on peut peut-être essayer de gagner des sous. Alors, en fait, bah, si, mais pourquoi m'en déprimer? Discuter de. Parler du meilleur appart, on va pas discuter de pêche avec les sims qui sont. Vous savez que vous avez une commande pour vous changer. On va dire qu'on n'a pas vu qu'ils étaient en train de se faire des. Ne le complimente pas, parce que c'est pas très beau, ça ne lui sied pas vraiment. Ça va, mesdames, messieurs, tout se passe bien. Vous allez bien, votre séjour est vous plaît, vous appréciez les chambres de l'hôtel. Ça va, tout va bien. Il fait chaud, hein, oui, hein. C'est la particularité, ça, toute l'année, il fait très souvent chaud. Mais comme c'est un bordé de mer, vous avez l'air marin qui passe, donc la chaleur n'est pas trop désagréable. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Bien sûr. Ok, là quand même faire foutre. Et vous, madame, comment allez-vous? Comment s'appelle? Edwige, comment allez-vous? Tout se passe bien. Ah oui, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, Malo. Voilà. Par contre, la musique ici me défonce les oreilles. C'est pas trop fort pour vous. Et j'ai pas le temps de voir qui c'est qui a follow. Il y a une Sarah qui a follow. Par contre, elle est pas encore affichée sur Twitch, bizarrement. Dans le chat, c'est bizarre. C'est bizarre. Tout va bien. Bon. On va pas aller se recoucher avant certaines heures, hein, je vous avoue. Voilà. Je regarde un peu ce qu'on pourrait peut-être... Je vais pas essayer de refaire un truc. Je vais essayer de refaire un meuble. Allez, on va refaire une étagère minérale. Oh, mais tu me saoules, toi. Allez, vas-y, fais une étagère. Ne me la foire pas, s'il te plaît. Mais t'es vous que Malo, enfin... Ouais, je sais pas, moi j'ai pas envie de juger, je t'avoue. Ça me met un peu mal à l'aise en fait de juger comme ça les gens sur le physique, j'aime pas trop, même si elle a un physique assez atypique. Voilà. Je vais poser ce que je sais pas qu'on me fasse, voilà. Ok, des bisous à Lana, merci d'être venue, ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. Donc...
très bien fonctionné, ça. Qu'est-ce qu'elle a ? Il y en a un qui fait de la fitness, ok. Petit papy, il a qu'une âge, tranquillou. Nickel, elle nous réussit là, ses étagères, là, c'est trop trop cool. Et, trop bien. Trop bien. Ouais, on va la laisser éveiller encore quelques minutes. Elle va nettoyer son assiette dans le truc là, ok, tout va bien. On va se manger un petit bout quand même, hop, prendre une portion. Ok, non, elle. Je pense qu'on va aller se coucher. De toute façon, il est minuit passé, donc du coup, les gremlins ne vont pas nous ennuyer. Hops. Voilà. Donc ceux-là ils vont quitter lundi, donc aujourd'hui. Ils quittent aujourd'hui, donc ils vont me rapporter 800 simflouz. Parce que bon, ben 200 grâce maintenant à la première étoile qu'on a eue grâce à la piscine. Ah, ça c'est bien ça. Et donc du coup, avec ces 800, on va pouvoir voir pour essayer d'agrémenter un petit peu la chambre des clients pour rajouter un lit double. Ah mince, ils ont plus rien ici. Ah non, ils ont plus rien. On va vite proposer un petit déjeuner. Hop. Cuisiner. Un petit déjeuner. Non, petit déjeuner. Voilà. Groupe. Et je pense qu'on va rajouter une deuxième truc ici. Ah, la réunion, elle va repartir. C'est un peu ça, Eva. C'est un peu ça. Oui, c'est un CC, Gabu, c'est un CC, oui. Tu le retrouveras dans un temps, hop. Sur mon Pinterest, voilà. Tu vas dans, je crois que c'est 7, ces trucs, et tu vas dans cuisine, c'est le premier, je pense. C'est la manière que j'ai rajouté. Et il est très souvent mis à jour, d'ailleurs, voilà, c'est grâce à Luciole que je l'ai trouvé. Hop, voilà, comme ça ils pourront manger un petit bout. Nous on va vite aller se préparer et on va les mettre dehors. Voilà, prenne le petit déjeuner. Valentin, tu me saoules. Voilà. Et. Ah mince, donc. Je crois que c'est testing. Cheese. On. Voilà. Retirer de la famille. Hop. Retirer de la famille. Et donc, ils vont me rapporter 800, donc ça fait 1127. 27. Hop. Et voilà, c'est trop bien. Nettoyer. Et donc, du coup, on va vite voir un petit peu pour modifier la chambre des clients. On va l'agrandir. Ah oui, non, c'est on va vite aussi. Notre truc ici aussi. Tout vendre. Ça va nous rapporter mais masse boulasse en fait. Non, j'ai pas envie d'aller avec toi, je suis occupée. Hop. Attends, on peut faire pareil. Tout vendre. Oh non, tu déconnes. Oh putain. Oh, puis quand je veux faire des modifications, quoi, le truc, quoi. Mais non! Bon, c'est pas grave. Payer les factures. Ça, c'est fait. Il fallait s'y attendre. Non, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Bon, c'est pas. On va quand même agrandir notre. Déjà, agrandir la chambre. Je pense que ça pourrait être quelque chose de bien. Hop. Voilà. Hop, oh mon dieu, ça nous coûte cher en plus. Voilà, bon c'est pas grave.
les petits lits qu'on a, on va les mettre là comme ça. Hop, la petite commode ici, ça ici, là comme ça, ça c'est bien, la commode ici, le petit bureau là, la petite poubelle ici, est-ce qu'on a un lit deux personnes qu'on pourrait installer? Est-ce qu'on a un lit deux personnes qu'on pourrait installer? Confort. On a le lit Ikea. Oh non, on a celui-là. On a celui-là. Qu'on peut installer avec le truc ici. Voilà, nickel. Mais la chambre n'est plus valable. Donc il faut absolument qu'on fasse un truc. Allez, on va faire ça autrement. On va faire ça autrement. Un couple. Voilà. Je rehausse ça. Voilà. Voilà. Et est-ce qu'on a juste un lit qu'on pourrait avoir? Un seul lit. Juste un. Un seul. Un tout seul. 200, non, 225. Ouais, ça peut faire lit pour enfants, écoutez. Là, comme ça, on va le recolorer. On sait. Et ah, ouais, non, ça c'est le lit pour. Non, ça n'ira pas. Voilà. Voilà. Et voilà, donc là on peut déjà accueillir papa, maman et le petit garçon, la petite fille. Et on va même décaler ça ici. Avec on va mettre la poubelle genre. Oh putain, je sais pas la mettre, c'est une poubelle de merde là. Je vais la mettre. Voilà. On va la mettre là. Hop, contre le mur ici, on mettra un autre lit ici. Ça sera un peu chaud, je pense. Ah si, voilà, on va mettre la poubelle là. Hop. Voilà. Par contre, je conçois que la chambre est moins bien éclairée. On va mettre ça. Voilà, une ampoule. Voilà. Et du coup, il nous faut une chaise en plus. Voilà. Et maintenant notre hôtel peut accueillir 3 personnes et ça c'est très très bien. Donc du coup, on va sauvegarder. Je suis contente. Je suis contente, coucou Kirikos. T'as l'impression que ça... Mais complètement. Donc du coup, on va prendre des clients. Je vais voir pour prendre deux personnes avec un enfant, si vous avez fait ça. Parfait. Akamayu qui propose déjà un couple avec une petite fille. Ici, on a Timst qui me propose. Mathieu et Elliot viennent de se marier. Après la fin de l'heure de miel, Mathieu a proposé à sa best friend Missy de venir faire un tour à Sony pour leurs vacances. À peine arrivé, Elliot va au loin à un hôtel. Et... deux chambres. Crotte. La petite est un peu petite. Ah oui, donc du coup, le petit couple ici. Et ça, voilà. Hop. Et c'est la même personne qui a publié cet ensemble. Je vais tout simplement, je pense, prendre le couple ici de Akamiyu. Donc combien de temps il reste? 8 jours!
Non, c'est trop. Moi, il me faut de l'argent rapide. Mur, c'est trop. Trois jours, peut-être plus. Bon, je prends la famille Tuchard. Je suis désolée. Je sais bien que j'ai déjà pris un autre signe de cette personne, mais c'est celui qui m'a mis le truc de, le plus facile pour le coup. Donc, Tuchard. Ils sont trois et ils sont arrivés donc le lundi. Et il reste trois jours. Donc, lundi, mardi, mercredi. Donc, ils quittent mercredi. Mercredi. Et donc, ça va me revenir à... Donc là, on est à 200 Simflouz, le Sims la nuit. Donc là, on est à 600 fois... Donc c'est... 2, donc ça fait 1200 parce que c'est la nuit, c'est en nuit qu'on compte, c'est pas en, j'avoue que c'est pas en jour, mais quand on dit 3 jours, bah c'est le nombre de, enfin voilà, vous avez compris, ça dépend si c'est des CC ou pas. Voilà, du coup t'es qui toi, t'es un ado toi? Ah oh, oui, t'es un ado, merde. Parce qu'il était pas mal. Je me dis que j'aurais peut-être bien pris mon joker et amour avec lui. Adopter son enfant en charge, peut-être pas. Bon, on va les laisser vivre leur vie, hein, du coup. Hein, voilà. Et on va de nouveau déjà vite faire... Ah oui, donc on a mangé. On va vite se prendre manger un truc. Prendre une portion, voilà. On va la faire discuter. Est-ce que c'est pour un Sims? J'ai envoyé un SMS à quelqu'un qui n'a pas répondu. Oh non, mais je veux pas devoir éduquer les gosses quand même. Ah, il est saoulant ce gosse, il va être saoulant. Oh mon dieu. J'ai la compétence éducation, d'accord. J'éduque les enfants de mes clients, tout va bien, c'est tout à fait logique. Elle sortira à Mylène sûrement dimanche. Je pense dimanche, attends, je vais regarder même pour être sûre, pour pas te dire de carabistouille. Soit samedi ou dimanche, mais je pense plus vite dimanche. Voilà, donc ça c'est fait. Bah écoute, Miss, je suis désolée, mais non, il faut que tu ailles fabriquer des meubles. Il n'y a juste pas moyen que tu fasses autre chose que des meubles là maintenant. Voilà. Bon! Bien moi les amis, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère une fois que vous aurez apprécié ce petit stream. Moi en tout cas, j'ai adoré avancer sur mon challenge. Je crois qu'on a vraiment bien avancé. Heureusement qu'on a fait ce prêt, parce que sinon je pense qu'on aurait vraiment gambergé. Bah, voilà, derrière, comme qu'il n'aime, le suggère avec bah, la petite commande dans le chat. Bah, n'hésitez pas à aller visionner une petite pub sur YouTube. Ça m'aide énormément. On grimpe vraiment de ouf en fait. Voilà, on grimpe énormément et c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à laisser un petit message, parce que bah, les messages, je les lis durant les lives. Voilà, je dis vos petits mots durant les lives pour vous remercier vraiment personnellement. Donc voilà. Je vais voir qui je peux host. Qui est-ce que je vais host? Qui est en live dans les personnes que je suis? Ah, il y a Sir Gibzy qui fait du Super Mario Maker. On va envoyer le berger encore lui, écoutez. Donc bah voilà, vous irez lui faire un petit coucou de ma part. Bah moi sur ce, bah moi je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous, comme je dis toujours, et prenez bien soin de vous. Hein, c'est super important. Profitez bien de vos vacances. Et surtout, bah comme je dis chaque fois en fin de vidéo, bah restez vous-même. Ciao, ciao.